Allez, salut à tous, c'est PsyMC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur HomeC2 pour l'épisode 45 sur la map Winsenburg 2015. Aujourd'hui nous allons faire la dernière ligne métrobus. Il s'agit de la ligne M5 qui part de Hauptbahnhof direction Bahnhof-Zürdorf. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui avec, depuis le temps que je vous en parle, avec le fameux Van Hall New AGG 300 version 2007 K++. Donc ça, c'est le K++, c'est pour la girouette. Donc voilà, donc la version 2007 du Van Hall. Donc le voici. Donc il s'agit d'un biarticulé. Voilà, donc c'est à dire qu'un articulé standard, voilà, c'est, enfin un articulé c'est comme ça. Et un biarticulé c'est qu'il y a une autre articulation. Bref, et du coup normalement le véhicule il fait, voilà, 25 mètres de long. Donc franchement il est assez long quoi. Et la particularité aussi de ce bus, enfin de Van Hall aussi, c'est que le moteur est à l'avant. Ça par contre je suis vraiment pas fan du tout. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, le moteur est à l'avant. Et voici un petit peu l'intérieur, voilà. Donc assez sympa. Voilà, voilà. Bref. Donc voici l'intérieur. Donc un tableau de bord VDV, si je me trompe pas de nom. Le même Ibis, le Almex. Voilà. Van Hall, enfin bref, voilà, voilà, bref, donc ça fait plusieurs fois que je dis bref, donc hop, les accoudoirs, et on y va. Donc pareil, hein, j'ai remarqué que c'est vrai qu'il y a pour le, vous savez, le DLC à Fun City ou Hambourg, Tag and Night, et maintenant, enfin Hambourg ligne 20 là, avec le Isitaro, en fait, que, et même le Isitaro standard, c'est que des DLC, mais le Van Hall aussi. Des DLC qui sont sortis pour Fun City et Hambourg en fait, parce que c'est que des trucs hotban, c'est un truc de fou. Il y a plein de DLC qui sont sortis pour la map, donc franchement c'est top. Il y a le choix quoi en bus. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse. Donc on va y aller. On part à 7h20 et on arrive à 7h44, donc c'est une ligne d'un peu plus de 22 minutes, on va dire. Bahnhof-Zürdorf, 7h44. Voilà. Bon, je suis pas un très grand fan de Van Hall. C'est pas un, mes bus préférés quoi. Je les trouve pas. Parce qu'après, est-ce que c'est compliqué à conduire un biarticulé? Non. Non, franchement, ça va. Pour l'instant, ça va. Ok, déjà, c'est déjà bon signe. On n'est pas monté sur. Le trottoir, frein d'arrêt, hop, et on ouvre. Allô? Oh, pour l'instant, je crois que je suis là, peut-être. Ah, j'allais dire, ils sont pas bavards. 1,50, 50, et voilà. Bonjour, donc c'est décidé, je vous ferai des vidéos sur le DLC Fun City. Donc ça, c'est décidé. Hop, donc moi j'ai directement comme ça. Donc vous aurez plein de vidéos dessus, sur la ligne 6, la ligne 111, la ligne 20, enfin bref, plein de comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va pas, ça va, mais je me suis fait peut-être une entorse à la cheville gauche. Donc bah, enfin moi je suis tout enflé et j'ai un peu mal, donc bon. Donc pour l'instant je sais pas trop ce que j'ai, donc on a pris rendez-vous chez le médecin en fin d'après-midi. Voilà, bref, donc pareil, je vous mettrai, donc c'est pareil, donc le Van Hall c'est un DLC qui est payant. Hop, le petit Van Hall à droite qui bug. Je vous mettrai le lien de la livrée et ensuite il est modé d'ailleurs, il est modé, donc je vous mettrai aussi le lien, c'est au bus Maton, donc il a modé pour avoir, je crois, la livrée, enfin la livrée, n'importe quoi. Ah, mais ils peuvent monter par la porte arrière? J'ai l'impression. Non. D'ailleurs, on doit y aller. Donc, modé par Obus Maton pour avoir la girouette K++ PC. Donc, bon. Alors, c'est parti, on y va. Je crois d'ailleurs c'est un bus qui a pas trop de patates, hein. Bon, mais en même temps 25 mètres à porter, je sais pas combien de tonnes ça doit faire ce bus, ça doit être impressionnant.
Alors M5 c'est où? J'ai pas vu. Attendez 2 secondes. Parce que j'ai pas regardé en fait. À gauche. Bon, on va le laisser passer. On n'a rien vu, hein. Puis là, ça passe nickel. Ok. Allez, vas-y, passe ça. Prendre le collègue, lui, il va être sympa avec son Mercedes. Il va me laisser passer. Allez. Il est vraiment mou ce bus. Donc voilà, bref, pour ce qu'il en est au niveau de la ligne métrobus, donc on a fini. Vous avez parlé de la ligne bonus, vous savez, parce que la ligne M3, je crois, voilà, il y avait une version rallongée. Donc bref, on verra. Ah, petit lag. Ah, ça m'étonnerait pas que ça monte sur le trottoir, non? À moins qu'on l'ait pas senti, c'est possible. Vu que c'est 25 mètres plus loin, la roue. Ah là, par contre, dès que c'est en descente, hein, on dirait logique. Ah là. Bah ça doit être impressionnant hein, quand t'es dedans, même quand tu dois le conduire, ça doit être impressionnant. Donc pareil, quand on fera des vidéos sur FM City ou en Hambourg, on fera... Vous verrez, on utilisera plein de bus. Plein de bus, j'ai plein d'idées en tête. Salut collègue. Par contre, le klaxon, sur tous les DLC pour FM City, là, ils sont décevants. Ils sont décevants les klaxons, je ne sais pas pourquoi, mais par rapport à la taille du bus, alors à moins qu'il faut activer ça, je sais pas. Bon. Après ça change hein, comme bus à conduire, c'est sympa quoi. Allez, allez, voilà. Le début est un petit peu difficile, j'ai l'impression, pour le bus. Salut, collègue. Allô. Ich hätte gern eine Tageskarte. Oui, monsieur, madame. Hop. Danke. Merde. Mince, pardon. 3,40. Hop. Hop. Donc là on est à 80-90. Ah ouais mais bon parce qu'avec ça je sais pas trop alors j'ai pas l'habitude d'utiliser le 8. Mais je t'ai rendu la bonne somme alors râle pas. Allez. Ah, il y a un peu de mal. Le jeu aussi d'ailleurs. Oh. Gründerweg. Faut être concentré quand même parce que... Bien regarder les rétros, si ça passe. Ah bah désolé, j'ai jusqu'au fond de l'arrêt, moi, je suis grand. Hein. Ils sont montés par derrière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors je sais pas s'ils sont pour moi. Ouais on est plus nombreux ouais. Bon ok.
Ah mince, je vais pas voir le feu rouge. Pas pratique ce rétro. Allez, ce feu vert. Ouais, donc franchement, il est un peu mou au démarrage, mais après, une fois qu'il est parti, il est parti. Mais bon, il a un peu de mal. Hein. Kölner Straße, Rathaus. Allez, démarre. Pff, qu'il est mou. Alors, nous on va où, nous, tout droit. Le petit feu orange. On n'y freine pas. Une. Il a vraiment du mal. Hein. Ou le feu rouge. Bah, je me suis mis là, je sais pas pourquoi, mais. Ouais, bah, ils montent. Ils avancent déjà eux pour venir à la. Mais attendez, 2 secondes. 2 secondes, les gars. Attendez, je coupe le micro 2 secondes, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ouais, excusez-moi, j'étais. Voilà, maintenant j'ai loupé ça, je sais pas où je dois aller. Pardon, excusez-moi, j'étais au téléphone là. Tout droit. Oui, je sais, c'est pas bien de téléphoner au volant, mais bon, j'avais pas trop le choix. Par contre, 3 minutes de 21 de retard, là par contre, ça c'est pas mon style, ça va commencer à m'énerver, ça tient. Allez. Allez, bonjour. Ils sont pas très polis quand même. Hein. Donc prochaine vidéo sur Marseille 2018. Donc comme je l'avais déjà dit sur Marseille 2018, du coup on a utilisé un peu tous les bus que j'avais en tête. Donc on va reprendre les bus qu'on a pris au début. Donc on va reprendre du Olius, du Iveco, le Man Standard. On va reprendre un petit peu les véhicules qu'on a déjà utilisés puisque on a déjà fait le tour. Hein. Enfin, je pense qu'on a déjà fait le tour. Quoi qu'il reste l'Iveco Crossway, mais ça on verra pour pour quelle ligne on va le prendre, celui l'Iveco, le Crossway là. Donc voilà.
Holsteiner Straße. Personne devant. Eh ben. Mais comment tu veux rattraper du retard avec un bus comme ça? Comment tu veux rattraper du retard avec ce bus? Sérieux. Personne à gauche. Par contre là ça va être chaud. Quoique ça passe. Ouais, nickel. Bien vite que ces feux verts là. Allez, allô. Allô. Mais quoi? Bon, j'ai pas rendu la bonne somme. Oh là là, on se tape le feu rouge. Oui, j'ai mal compté là, tout ce que je lui ai rendu. Bon, donc là, on est sacrément en retard, hein. 4033. Franchement, c'est pas... Allez, c'est pas top. Franchement, c'est pas top. Schlosshof. Schönen guten Tag. Morgen. Morgen. Eine Kurzstrecke bitte. Dann jetzt fernbar. Et comment tu peux rattraper le retard avec ce... Je suis plus au plancher, imaginez, hein. Fils in der Straße. J'ai roulé à 61 km/h parce que... Allô, il y a du monde en tout cas. Oui. Hop, hop. 80, voilà. 41 personnes dans le bus. En tout cas, c'est serré quand même pour passer. Entre la barrière et le trottoir. 41 personnes dans le bus, donc je pense que ça va encore charger. Hein. Donc M5 tout droit. Ça n'a pas pu être feu vert là, punaise. Et voilà, feu fait. Allez, 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 allez. Donc Marseille 2018, je sais pas combien de lignes, mais on va pas toutes les faire, comme j'avais déjà dit, de toute façon, sur Marseille. On va en faire vraiment encore une poignée, et après c'est bon, hein, parce que... Puisqu'après, donc,
On, voilà, on enchaînera. Donc, une fois que Marseille 2018 sera terminé, on fera. On continuera à Winsenburg. On commencera à Fun City. Ok, on commencera à Fun City. Ou Hambourg Tank and Night, parce que je ne l'ai pas acheté. Voilà, sur les 3 DLC d'Hambourg, j'en ai acheté que 2. Donc, à Fun City et ligne 20. Et Tank and Night, enfin Day and Night, parce que Tank and Night. Bon. Je ne l'ai pas acheté. Je vais regarder sur Steam, là. Et sur Games Planet, combien ça coûte. Et en fonction, j'aviserai. Mais voilà, et du coup, on fera Winsenburg et Hambourg. Enfin voilà, on enchaînera avec ces deux maps-là. Par où on passe là? Rétrograde, rétrograde, allez, mais rétrograde pas ce bus. Alors, en tout cas, c'est joli, hein, oh là là. Moi, je me souvenais pas qu'on passait dans un truc comme ça. Que si sympa. Personne, allez. Ah, c'est joli, hein. Ah, une voiture garée là. Bon, je peux pas trop râler parce que. Ça va être tendu là quand même. Allô. Allô. Le collègue en biarticulé aussi. Il faut regarder si y a personne parce que là je prends un peu de place moi. Yes, on n'est pas monté sur le trottoir. Au début, quand j'ai vu le truc, j'ai dit putain, alors là ça va être tendu, mais en fait non. En fait, ça passe tout seul, hein. Franchement, je vous avouerai, je pensais 25 mètres, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est difficile à manœuvrer, mais pas du tout en fait. Parce qu'en fin de compte, tout qui suit, quoi. Donc, franchement, ça c'est bien ça. En vrai, il manque terriblement de patates, hein. Après, ce qu'on prend, hein, le bus il est long, il doit être super lourd, en plus il y a. Quoi, on va dire 5, ouais, il y a 50 personnes, un peu plus, voyons. 52 personnes dans le bus, je comprends qu'il ait du mal. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je comprends pourquoi. Ça c'est sympa aussi ce petit détail où on entend du bruit, que ça parle, que ça rigole. Ça c'est super aussi ces détails là. Parce que maintenant sur certains bus il n'y a pas ça. Du coup t'as 50 personnes mais t'as pas l'impression parce qu'il n'y a pas un bruit. Alors que là voilà tu dis ah là ça s'entend quoi. Presque 5 minutes de retard. Chou orange, ouais bon là c'était plus qu'un orange. Mais là pilé avec un bus. De toute façon j'aurais pilé, le temps qu'il freine j'aurais traversé le feu rouge. Puis c'est hyper dangereux donc tant pis. De toute façon comme je l'ai dit j'ai déjà vu des chauffeurs qui l'ont fait hein. Quand ils sont pressés et tout, le feu orange il passe et pile poil quand il dépasse à peine ce passage. Bon moi, ouais c'était à peu près le cas, ça venait tout juste de passer au rouge. Donc, normalement t'as pas le droit, enfin t'as pas le choix, tu dois freiner mais bon. Là il y a 25 mètres de longueur à freiner, vous vous rendez compte? C'est pas possible.
Le temps que je freine, puis c'était dangereux, le bus il est blindé, donc... ça aussi c'est casse-bonbon, ça. On n'a pas pu attendre le feu rouge. Ah, ça y est, je reconnais cet endroit. Je me disais, il y avait un endroit où il y avait une route un peu comme ça, avec des grands magasins et tout. Et ça y est, je m'en souviens, c'était ici. Quoi? Parce que j'ai dépassé la vitesse. Je suis à 4 minutes, hein, donc... si tu veux, bon. Oui, ça va. Là aussi, feu orange, il m'aime pas. Je crois que c'est la deuxième porte qui fait ça. Je m'avance jusqu'au bout du quai, messieurs, dames, râlez pas, mais c'est comme ça. Allez, allô, good morning. Regardez ça, regardez comme on charge. J'ai bien fait de prendre un billet articulé. Allez. On n'a pas le temps, juste dépêche-toi. Allez, mais démarre. Pff, oh là là là. Sinon, un bus très agréable comme il est super sympa, les détails. Enfin, la conduite est super, franchement, de ce bus. Regardez comme ça charge, c'est impressionnant. C'est impressionnant comme ça change. Bah, tant mieux, moi j'adore. Alors, après voilà, le bus il est hyper agréable à conduire. Après voilà, les deux défauts c'est que le moteur est à l'avant, ça je suis pas fan, et qu'il manque de patates. C'est tout. Mais bon, si je le comprends qu'il manque de patates, mais le moteur à l'avant je suis pas fan. Bah. Même sur l'articulé, je crois qu'il est en devant. On est obligé de faire du 60 km/h parce que sinon on n'y arriverait pas. Hein. On a le frein. Oui. Oh putain, obligé d'éviter le véhicule. Il n'y a pas de frein non plus. Obligé de reculer. Bon, non, bon, c'est pas. Ok, il veut pas de toute façon. J'avais vu une vidéo. Vas-y, passe. Une vidéo de Dristur, youtubeur. Que j'adorais d'ailleurs, qui avait fait une vidéo sur le Vanol, mais le standard, pareil, il disait ça manque de patates, il était mou. Salut collègue. Putain, toi t'as un standard et moi un biarticulé quoi. Ah ouais, mais là, putain, mais... Ah ouais, mais bouge de là, hein. Et là, pareil, il disait que le bus, il manquait de patates. Bon, le rétro, ah, ça passe juste, hein, regardez, ça a pas traversé. Hein. Juste mon rétro à moi, mais... Est-ce que je suis un bon conducteur? Enfin, est-ce que je manœuvre bien? Là, je suis contre le trottoir, je le sens, parce que mon volant, il me le dit. Vas-y, passe. Kim, il est... Faut que je... Ouf. Ok. Eh ben, maintenant, on n'a pas eu le plus fut-fut, hein. Qui c'est, ça, devant? Ça va pas tarder à le savoir. C'est quoi ça? La 158. Ok, elle est en articulé la 158. Allez, descendez ici, messieurs, dames. Qu'on ne perde pas de temps. Maintenant, c'est lui qui va nous faire perdre du temps. De toute façon, je vous dis, c'est toujours quand on est pressé qu'il se passe des trucs. Ça, je peux pas doubler, c'est pas la peine.
Oh! La salée avec ton Solaris là, putain! Ah, de toute façon, on va mettre en retard pour être en retard. Ah, ça y est. Ok, enfin. Ah, puis eux, ils montent pas avant quoi. Ils sont pas sérieux. Je vais les engueuler, vous allez voir. Et excusez-moi, j'étais derrière le bus, hein, vous auriez pu monter. Bah ouais, bah vous plaignez pas du retard alors, hein, dépêchez-vous. Ouais, 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 ya, 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 ya. Ouais, vous faire voir là. N'importe quoi, hein. Vous avez qu'à monter, j'étais derrière le Solaris. Oh là là là, 6 minutes de retard, bah ouais, hein, mon gars, hein, t'as qu'à te dépêcher. Hof Aue. Non, personne là, allez. Toi là-bas avec ton taxi, ou je sais pas quoi là, avance. Allez, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, allez. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'étais rentré dedans, bah ouais, il freine pas, donc bon, je rends un peu trop large, mais bon, quoique, ouais, non. Là, je serai avec le Scania ou un autre bus que j'ai utilisé là avec vous. Je peux vous dire qu'on n'aurait pas eu tant de retard. Hein. Là, je suis pied au plancher. Bon, en même temps, ça monte. On va freiner un peu. Faut vraiment, en fait, anticiper tout, quoi, avec ce bus. Allez, allô? Oui, 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 oui. Oui. De 20... putain, j'arrive plus à me concentrer. 1,99. Eh ben, qu'est-ce qui va pas? Je suis pas concentré là. Putain, si j'ouvre la porte arrière, on va pas y arriver. Allez, 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 s'il te plaît. Tain, on avait réussi à rattraper un peu s'il n'y avait pas eu le problème avec le collègue où ça passait pas. Et l'arrêt de bus avec l'autre collègue, ben, franchement. Franchement, on n'aurait pas eu autant de retard. Je suis désolé, messieurs, dames, accrochez-vous. Le virage, il est un peu... voilà, mais bon. Bon, de toute façon, on arrive au terminus, alors. Hein? Comment il s'est retrouvé comme ça, là? What? Vous avez vu? Comme l'arrière, il est parti? What? Moi j'ai compris, il faut se méfier alors, hein, parce que... je comprends bien, j'ai dit pourquoi on n'avance pas, mais ouais, mais l'arrière il est parti en je sais pas comment. Moi je suis désolé, je dois avancer un peu quand même, un minimum. On va éviter de glisser quand même. Ah ouais, l'arrière il se promène un peu, ouais, parce que c'est léger derrière, il n'y a pas le moteur. Donc c'est normal. C'est normal. Mais de toute façon, je pense qu'il faut une formation spéciale peut-être pour conduire un bus comme ça. Je pense pas qu'avec... je pense qu'il faut un truc en plus. Hein. Peut-être que je dis une connerie, mais... alors... ouais, ouais, ya, 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 ya. Salut, collègue. Bah d'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi t'as la girouette comme ça, parce que normalement sur Winsimbourg c'est pas comme ça. C'est un mode, voilà, donc je vous mettrai le lien. Donc il y a la livrée qui est inclus et le mode pour voir la girouette et la A-list personne, enfin la A-list comme j'ai moi avec des Solaris, des Mercedes, des Vanol, etc. Voilà, parce que de base c'est que des Mercedes 630 les vieux. Donc j'ai dit bah, et du coup j'ai dit enfin j'ai dit non, j'ai trouvé ça, j'ai dit oh, bah super, et voilà, fin de l'histoire. Ouais, bah mon gars, si tu veux, je suis un peu en retard, donc euh... 30 km/h, allez, on va ralentir alors, hein.
Hop, 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 tout droit. Ah, bah voilà. Alors, M5 à droite. Ah, c'est, je reconnais ici, ok. Et là, pour reparler vite fait de dressure, ça me fait chier, hein, que franchement, il est arrêté. Bah, pour ses études, hein, je crois, si je me trompe pas, parce que moi, j'adorais la dressure, je sais pas pour vous. Mais voilà, j'aimais beaucoup ses vidéos, j'adorais, simplement. Et c'est lui qui m'a fait aimer Homecy 2, d'ailleurs. Hein. Si je me trompe, oui, c'est ça, c'est lui qui m'a fait aimer Homecy 2. Allez. Bon ben voilà, en tout cas mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu avec le Vanol New AGG 300 pour la ligne M5, voilà, avec 6 minutes de retard. Aïe 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 aïe, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si le contenu vous a plu et que mon contenu vous intéresse, voilà. Et ça permet aussi en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui arrivent, voilà, enfin que je publie. Et ensuite, donc, on a fini avec les lignes Métrobus sur Wintzenburg. On attaquera les lignes normales, donc les lignes, je sais plus comment ça s'appelle, les lignes normales sur Wintzenburg. Et on terminera aussi Marseille 2018. Et une fois que Marseille sera terminée, on switchera entre Wintzenburg et Hafen City ou Hambourg Day and Night. Voilà, tout simplement. Bref, en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.